Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertiros pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau jeu. Un jeu que j'avais déjà présenté, voilà, j'avais déjà fait je crois la démo sur la chaîne, enfin il me semble. Hein. Oui, je suis quasiment sûr, quasiment persuadé. Et aujourd'hui c'est le jeu final qui est sorti le 25 mars 2024, ça fait plaisir, développé, édité par Fireblade Software. C'est un FPS en mode nerveux, en mode tir, en mode bim bam boum. On doit défendre son vaisseau spatial d'attaque extraterrestre, on doit défendre notre vaisseau zone par zone, et puis voilà, il y a un aspect tower defense, défense de tour comme on dit en français, il y a un aspect stratégie, il y a un aspect roguelike aussi, ça fait penser, vous savez, un petit peu avec au jeu Faster Than Light, là, un petit peu dans l'idée, FTL, ça fait penser à plein de choses, c'est très très cool, normalement il va être jouable un jour en coop, mais là c'est en solo, donc écoutez, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Rien, bah rien, voilà, on va continuer, moi j'ai joué un petit peu, vous avez des attaques d'ennemis, vous avez la map, vous avancez à droite à gauche, en fonction de là où vous avancez, vous avez des choses, là des points de recherche, là ma grosse bite, là des patrouilles ennemies, et là on se fait attaquer, on a un équipement aussi divers et varié, on peut le modifier en fonction des ressources que l'on chope, que l'on récupère, et puis voilà, quoi vous dire de plus? Rien, c'est tout con, c'est tout simple, mais on apprécie. Il faut que j'aille dans mon ship et que j'aille défendre l'engineering. Et ça, c'est terrible. Le jeu est plutôt difficile, mais ma foi, tout à fait délicieux. Et c'est ça qu'on apprécie. On a plusieurs déployables, un truc qui tape sur les côtés, qui tire, et un truc qui ralentit les ennemis. On a des trucs passifs et actifs. Actif ici, c'est une grenade. Et j'ai des armes, ma foi, tout à fait, on peut le dire, tout à fait sympa. Voilà, tout à fait sympa, je tire pour être sûr que ça marche. Avec clic droit, je peux changer, vous voyez, là je peux tirer deux balles d'un coup, donc ça fait très très bobo, très très fesse. On a la barre de Breach Now qui se déploie, donc on a quelques secondes pour, tout simplement, on peut récupérer les munitions de la vie, de manière limitée. Il faut s'occuper de préparer ses défenses à chaque tour. Voilà, là on va avoir trois vagues, c'est écrit en haut à droite, à gauche c'est Breach A, donc on voit qu'ils vont arriver sur A, avec une barre de progression de combien la vague est avancée, enfin c'est pas français mais vous avez compris, plus on met du temps, moins on gagne de points, vous voyez, Breach Now c'est en train de baisser, ils vont arriver ici, on prend notre truc de construction, on met des ralentisseurs, ça utilise nos points en bas à gauche qu'on récupère après chaque vague, on s'en met un petit peu partout et puis on va vivre, on va jouir et puis on va prendre du plaisir, c'est important le plaisir. On met des ralentisseurs, on est bien, j'ai des armes, je peux changer avec la molette, je peux envoyer une grenade, je peux changer mon mode de tir, et puis on va espérer que ça passe. Et il faut pas que trop d'ennemis se barrent, trop d'ennemis passent. On voit en haut à gauche la barre de Breach A qui m'indique à combien cette vague est avancée, combien d'ennemis ça a envoyé dans le pâté. On récupère des petits points. Je peux là faire payer des choses pendant la bataille. On fait attention parce que plus on va avancer, plus les ennemis seront forts. Ils vont vouloir me défoncer, mais ils vont... Oh putain. Ah ouais, je suis quasiment lovi, hein. Dis donc. Aïe, bah je suis mort. Putain de sa mère, la pute. Je suis déjà mort. Ok, tout va bien. Je faisais pas attention. On voit dans la vague est bientôt finie. Ça fait plaisir, mais je suis déjà mort comme un caca. Pourquoi? Eh bien parce que... Voilà, parce que la vie... On voit qu'ils s'échappent. Ok, ils sont là. On envoie une grenade. On fait attention, hein, parce que c'est un jeu difficile. Hein. Parler par-dessus, c'est pas évident. Eux, ils font extrêmement mal. En plus, ils sont agiles, rapides. Vous avez différentes sortes d'ennemis. Il y a quelques ennemis qui sont... Quand vous mettez dans la trogne, dans la tête, ça marche plutôt bien. Vous pouvez recycler tout pour récupérer de l'or. Tu vois, tout l'or des Mayas, on récupère. Même si au bout d'un moment ils vont arriver par tous les côtés, par tous les trous quoi, ils vont te bourrer les trous, ils s'échappent là-bas, hein. Et là ils vont s'échapper en C, donc on se met des ralentisseurs, je sais pas si c'est très utile, c'est utile les ralentisseurs, mais c'est pas non plus la folie du cul quoi, tu vois, c'est pas la folie du cul. On va se mettre ça là, Mohamed, ça là. En sachant que vous pouvez aussi faire évidemment la technique de je ne mets rien au début et je mets tout à la fin pour défendre le portail. Il y a plein de raccourcis partout, hein. Regardez E qui rejoint B. Il y a plein de raccourcis, votre vaisseau est plus ou moins grand.
C'est clairement pas un jeu difficile, facile, hein, clairement pas, mais c'est un jeu plaisant, c'est un jeu où l'on prend du plaisir, et le plaisir c'est important, le plaisir c'est la vie. Là il breach, juste j'envoie une grenade en prévention. Là, eux, ils m'ont fait extrêmement mal. C'est dur de parler, je suis mort comme une merde, parce que R pour recharger évidemment, c'est dur de parler et de jouer en même temps, parce qu'il faut se concentrer, il faut faire en sorte que pas trop d'ennemis s'escape. Plus il y a d'ennemis qui s'escapent, moins vous avez de récompenses à la fin si vous réussissez la mission. Et plus... Oh putain! Faites attention, une grenade de prévention avec G. Voilà, ça dégage, si vous visez la tête, ça fait plus de dégâts, donc ça, c'est plaisant. Ah, attention, attention, c'est bien d'avoir beaucoup de munitions, ça évite ce genre de petits problèmes. Tiens, voilà, et plus on tue des ennemis, plus on récupère aussi des points et des munitions. Mais aussi ce genre de points qui vont nous permettre de poser d'autres pièges, hein. D'où l'aspect power, Tower Defense, là vous la comprenez, vous dites mais oui Azertirant c'est vraiment l'essence même du Tower Defense, et vous auriez raison de penser ça, parce que attention, voilà lui il s'est fait fusiller en sachant qu'il y a un temps, il y a un cooldown, chaque arme, chaque piège a des cooldowns, donc il faut faire attention. Ça me fait penser aussi au jeu avec les trolls, là, les ogres, les gobelins, là le Tower Defense avec où il y en avait 3-4, Orc Must Die je crois que c'est ça, Orc Must Die, là où il y en a 2-3-4 qui sont sortis, et ben c'est dans l'idée, c'est dans l'esprit hein, du Tower Defense comme on aime, ça fait plaisir, c'est ce qui nous excite les gencives, c'est ce qui nous fait bander l'oignon, attention hein, parce que plus on avance dans les vagues, plus ils sont forts, plus ils sont nombreux, et plus aussi les ennemis sont différents et variés, il y en a qui attaquent au corps à corps, il y en a qui tirent, il y en a qui pètent, il y en a qui explosent, il y en a qui chient, il y en a qui turlupinent. Donc là on va laisser tout ce stuff là, et on va essayer de bourrer, ah ils vont sortir là, ok ils vont aussi sortir là, on fait très attention. On va se mettre ça et ça, voilà, et puis ça, ils vont sortir par où? Ils vont sortir par là, moi si je me mets au milieu, je vais me faire gangbang l'anus, donc il faut faire très attention, on peut faire quelle option? Ils vont rejoindre par où? Ils vont rejoindre, ah, ils vont rejoindre la sortie qui est en contrebas, mais alors je ne sais où. Je sais. En fait, ils vont choisir le chemin le plus court, donc s'ils s'échappent et qu'ils ne me tabassent pas, peut-être qu'ils vont passer par là. Et dans ce cas, peut-être en mettre un là pour les empêcher de passer. Tu vois, pour essayer d'en ralentir certains. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas. On a mis des pièges. On est bien. Enfin, on est bien. On est très mal en munitions. Merde, il faut que j'aille récupérer les munitions. Et c'est un peu le bordel pour savoir où aller. Ah, tiens, je peux fermer le portail aussi. Ils vont le détruire, mais ça va les ralentir un petit peu. Il faut peut-être mieux que je les attende, que je les attende ici. Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait que je récupère, je crois que c'était là, oui. On va récupérer des munitions, de délicieuses munitions, ma foi, tout à fait sympathiques. De la vie, on est pas mal. Et puis, on va les attendre. Je ne sais pas du tout par où ils vont arriver. Là, je suis un peu stressé du bulbe. On va s'en mettre un là, tiens. On va s'en mettre un là. Je ne sais pas par où arriver. Ils peuvent arriver partout. Ils vont prendre le chemin le plus court, le chemin le plus long, le chemin qui est le plus long, mais qui est en fait le plus court, qui est le plus court, qui est le plus long, mais qui est partout. Donc, ils peuvent arriver de partout. Il faut faire très attention. Il y a des raccourcis à droite, à gauche, des passages. Un peu comme dans Alien, tu vois. Ils vont passer partout comme des fouines, comme des salopes de bas étage. Donc, on fait très attention. Voilà, ça, ça ralentit. Ça, ça explose. Ça explose. Il faut faire attention, hein, parce qu'ils peuvent rapidement passer par derrière, un peu en mode nazi, faucille, la faucille et le marteau, tout ça, la technique des Ardennes. Donc, il faut faire très attention. Attention, ils s'échappent. Ils vont me bourrer la vie, et au bout d'un moment, ils vont bourrer. Ils vont surtout vouloir bourrer, bah, bourrer tout simplement, là. Ouais, là, je suis presque mort. Donc, il faut que j'aille récupérer de la vie. Et donc, là, ils vont en profiter pour sortir. Tels des manants qu'ils sont. Ah non, c'est bon, j'ai encore un peu de chance. Voilà, voilà, mission complète. Bon, j'ai réussi, c'était pas une mission très difficile, mais j'ai quand même pris cher. Ça sert un peu à rien, enfin, c'est assez utile de récupérer les points et tout ça, mais ça sert à rien de recycler ce que vous avez posé, parce que vous n'allez pas repartir avec votre argent. Voilà, voilà. Ah non, mission complete, il faut que je retourne dans mes pods, c'est écrit en haut. Très peu sont échappés, on voit que la barre violette a très peu progressé, très peu descendu. Voilà! B, ok, je suis B, un ennemi s'est échappé, j'obtiens 200 récompenses, je sais pas si c'est le max mais c'est pas mal, on a réussi à défendre ce tour-ci, notre vaisseau, évidemment au bout d'un moment, s'il pénètre trop, s'il pète trop les trucs, bah vous en prenez mais plein la gueule. Ici ça peut être bien de prendre des points de recherche, mais là, et là du dérélict, ok, mais on va aller là pour tenter d'obtenir une nouvelle arme, quelque chose. Ah non, j'ai obtenu une vie supplémentaire, parce que si vous mourrez plus de 4 fois, votre partie est terminus, tu vois, en mode tout dans l'anus. Et on peut revenir en arrière? Ah oui, je peux revenir en arrière. Bon, bah c'est bien, voilà, les points de recherche. On va dans le dérélict, c'est un... Ok, weapon déployable ou matériel?
un nouveau déployable. Qu'est-ce que c'est que ça? Wall Mounted Fabricator qui te... Ah ouais, d'accord, un truc monté, un fabricateur monté, technologique qui te remplit tes munitions. Ammo Pack Restauré 2, Ammo Pack Limite... Ah bah trop bien, trop bien, trop bien, d'accord. Et là, je peux l'améliorer. Ok, je peux l'améliorer. Bon, c'est pas mal, sans être la folie du cul. J'aurais préféré un truc d'attaque. D'ailleurs, moi, je vais améliorer ma petite arme tout à fait mignonne. Est-ce que je peux améliorer celui-là? Non. Est-ce que je peux améliorer ça? Oui, un peu. Est-ce que je peux améliorer ça? Non. On va améliorer ça. Ça coûte un peu moins. Ok, bon. On est bien. Et bah, c'est parti. Hein. On va bourrer la patrouille ennemie. On n'a pas récupéré un item ultra puissant. Faut faire gaffe. Vous voyez, il y a de la vie à chaque fois qu'il y a une attaque. Et plus il y a d'ennemis qui s'échappent, plus ça endommage votre système, votre pièce. Donc là, tu vois, The Pit, c'est le truc de pilote, je crois, de pilotage, je crois, le cockpit, le moteur, et puis vous avez différents, voilà, full exchange, mainframe, le processeur central, le truc pour bouffer central, la cantine centrale, machin, le hall central, le hall, il est là, le truc de bouffe. Enfin, voilà, et au bout d'un moment, bah, quand ça lâche, bah vous rapprochez dangereusement de la mort. Je peux pas m'échapper, non, je suis obligé de me combattre, c'est plutôt logique. Eh bien, écoutez, on va défendre notre vie, notre vaisseau. Je peux récupérer une ammo station, ça c'est bien. Et puis c'est tout, hein, en vrai, pas beaucoup d'améliorations, mais... Hop, voilà, ça fait plaisir. Mais c'est pas grave, écoutez. Alors, il faut au début identifier, c'est beau, hein, ouais. Il faut identifier au début un peu la zone. J'ai roté, mais c'est pas grave. Ils vont sortir en B pour l'instant, ils vont s'échapper là. Du coup, je peux commencer par mettre ici une... Ah, je peux pas mettre un truc qui tire. Ah non, que sur les côtés. En fait, je peux les... Ouais, si, ici c'est bien, ici c'est bien. Ici c'est très bien parce qu'ils vont a priori forcément passer par là. Safety first, air your helmet. Ouais, faut faire attention, hein. Il y a des passages secrets à droite à gauche qui leur permet de... Eh bien, de passer tout simplement. Hop, ok. Voilà, ça c'est trop bien. Est-ce qu'ils vont passer tout droit? Je suis pas convaincu. Voilà, non mais c'est bien ce qui se passe, On va bourrer que ça. Il faudrait que j'améliore que ça, même si je pense que c'est pas ouf de jouer que sur... Oh là là, ouais là, d'accord, ils sont... Ok, ils passent quand même. Oh putain, là il y a des... Ah mais il est méga résistant lui. Ah ouais, mais il me tire dessus. Ok, eux ils sont méga endurance, ils ont une sorte de cérumène tout autour d'eux. C'est terrible, j'adore le cérumène, hein, genre on en fait des bougies et de la bouffe formidable. Oh ouais, c'est qu'ils explosent, ok. Voilà, on essaye de viser la tête. Je vous dirais pas que c'est évident, je vous dirais pas que c'est facile, mais on essaye quand même. On fait attention, hein, parce qu'ils sont très largement passés, hein, mes défenses ont été peu dans la défense. Aïe, attention, on fait gaffe parce qu'on perd rapidement de la vie aussi. Voilà, bravo à tous. Bravo à moi en tout cas. Surtout un peu à vous, mais surtout à moi. Voilà, je récupère des munitions parce qu'il faut vraiment bourrer les munitions. Ici on a posé ça. Ah ouais, ils vont arriver en face là. Ok. Hop, je recycle histoire d'avoir plus de points. Et Dieu sait qu'on aime ça. Dieu sait qu'on s'en met, mais tu vois. Oui, partout quoi. Partout. On fait ça. Là, est-ce qu'on est d'accord? Tiens, on peut en mettre un là direct. Est-ce qu'on est d'accord qu'ils vont forcément passer là? Oui. Est-ce qu'on est d'accord qu'ils vont pas passer? Ouais, si, ok, bravo Azertian. Sachant qu'il y a des ennemis qui volent, on est d'accord qu'ils vont forcément passer là? Oui. On est d'accord qu'ils vont forcément passer là? Oui. Donc, je peux. Voilà, et comme ça, quand je fuirai tel le lâche que je ne suis pas, mais que je suis quand même un petit peu, on pourra. Voilà, c'est bien de les ralentir dans les trucs. On pourra évidemment penser à fuir et mourir, jouir et mourir. Attention, la petite grenade, attention! Lui aussi, il en envoie une. Faites attention, parce que votre vie, évidemment, n'est pas. Si vous avez de la vie, vous n'êtes pas immortel, hein. Faites attention, il envoie des grenades. On peut pas viser, c'est pas une arme excellente. Attention, il est là, on l'a défoncé. On fait attention, pour l'instant je suis excellent, mais il y a des gens, moi j'ai quasiment fini le jeu, vous voyez, je suis imbattable, vous voyez, personne ne me touche, personne ne me tue, mais, alors que le mec il est mort au bout de 30 secondes, mais on peut mourir, quelqu'un comme vous, c'est-à-dire quelqu'un de normal, c'est-à-dire quelqu'un de faible pour moi, va mourir facilement et va sans doute échouer à peu près toutes les 2 minutes, moi je pense que je vais finir le niveau parce que je suis assez excellent. On peut le dire, n'ayons pas peur des mots, je suis quasiment ce qui se fait mieux en termes de physique, de mental, de mec, de beat.
Je suis excellent, voilà. Je suis excellent, excellentissime. Et j'ai un immense pénis. Enfin, voilà. Je sais qu'il faut pas se vanter. Ma mère, elle m'a dit, ne te mens pas, Zertiran. Ne mens pas aux autres. Ne fais pas à eux ce qu'ils ne t'ont pas fait à toi. Mais en tout cas, la vie, c'est formidable. La vie, c'est comme un couscous. C'est comme un couscous, un peu trop épicé. Attention, faut pas qu'il s'échappe. Voilà, bravo à toi. Bravo à toi, bravo à moi, bravo à nous, bravo à Il. Bravo à Yel aussi, bravo à Yel. Ok, donc là, ils vont sortir. Là, ça va. C'est ce qu'on appelle chier. Là, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle chier des bulles carrées. Genre de belette, ma foi, tout à fait sympathique. On récupère de la vie. On s'en est pas trop mal sorti, hein. Mais je sais pas ce qui m'arrive. Je dois être, je sais pas. Ok. Là, et après ça, on peut les ralentir un petit peu là. Mais ensuite, c'est la fin, c'est le Darfour, tu vois. Combien c'est Carrefour Market? Ça coûte 25, ok. Bon, bah écoutez, on envoie. Voilà, on en met plusieurs quand même. Et puis là, on prie tous les saints de Madarone. Tous les gros saints de Madarone. Hop, attention, il fallait garder la grenade quand vous aviez... Là, ça recharge parce qu'il y a du cooldown, c'est terrible. C'est terrible. Vite, voilà, c'est terrible. On fait très attention, hein. La vie, c'est de l'attention. La vie, c'est attention. Attention, monsieur. Les rapides, c'est surtout les rapides. Je suis bientôt mort, là, non? On fait très attention. On fait tellement attention qu'on va essayer de les avoir par derrière. Voilà, par derrière, c'est toujours une option. Ils vont s'échapper, là, hein. On va pas se le mentir. Faudrait pas que je crève. Ça serait très dommage. Vaut mieux que je fuis un petit peu. Sauf que si je fuis... Voilà, alors de la vie. Est-ce qu'il s'échappe? Oui, il s'échappe, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est très bien, surtout. Ça s'échappe comme jamais. Hop. Il y en a quelques-uns qui sont échappés, mais tout va bien. Final wave, ah ouais, la final wave, c'est le genre de wave, tu vois, un petit peu final. Hop, on va récupérer ça. Préparer la défense. On va préparer tout ça. A et B. Heureusement, il n'y a pas de C. Des fois, il y a du C. Est-ce qu'ils peuvent passer par là? Non, c'est un gros. C'est le genre de trou qui pue. Et je vise personne en disant ça. On va s'échapper. Ouais. Là, je suis baisé. Je suis baisé, monsieur le curé, comme on dit. Non, ici, c'est pas mal. Ouais, non, ici, c'est... Ouais, enfin, faut qu'il passe là, quoi. C'est toujours du pareil au même. Et ici, on va se mettre un petit truc de munitions, ma foi. Ok, on y va. J'ai foi en ma vie, j'ai foi en ma bite, j'ai foi en tout. On envoie une grenade, ce qu'on appelle une grenade préventive, qui aura servi pas à grand chose. Faut essayer de viser la tête, hein. Si vous visez la tête, c'est la cacahuète. Non, mais si vous visez la tête, forcément, ça fait plus mal. C'est le principe de la tête, quoi. La tête, si tu prends une balle dans la tête, il y a peu de chances que tu survives, tu vois. Tu peux survivre, attention. Hop. Attention. On envoie une grenade, the preventive grenade, la grenade qui vous met bien, hop, merci, bravo, attention, le cooldown, et en sachant qu'il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a qui volent, donc il faudra évidemment changer la position de vos pièges en fonction des ennemis, hein. Des fois, il y en aura qui volent, des fois, il y en aura qui seront trop bas, donc ils passeront en dessous, d'autres qui passeront au-dessus, donc il faut alterner les pièges en mode en bas, ok, donc voilà. Vous avez compris le principe. Parce que je suis quelqu'un qui m'exprime bien. Attention, ça fait prout. Voilà, ça fait prout. Hop, le cooldown. Ok, bon, je pense que j'ai bientôt fini la vague. Oui, j'ai fini la vague. Regardez, les barres en haut à gauche étaient complètement vides. Bon, bah voilà. On a mission complete. Quelques-uns sont échappés. Hein, un cinquième à peu près. Je dirais pas que c'est une mission parfaitement réussie, mais c'est une mission réussie. Ce qui est bien, pour l'instant, je suis pas mort. C'est faux, je suis mort. Ok. GB aussi, ça permet d'avoir des récompenses sympas. Hein, sympa. Attention, il faudra un jour réparer tout ça, mais pour l'instant, ma bite. Il me faut quoi? Il me faut plus de ressources. Ah ouais, plus de ressources. Ah ouais, d'accord, maman, d'accord. Plus 5 explosions de dommages et 5 explosions de radius. Ah, ça peut faire la différence. Allez, je prends. Ok. On va naviguer dans les eaux de la vie et de la mort. On peut revenir en arrière si on veut. C'est prendre des risques, mais c'est aussi récupérer des ressources. Ou alors, on peut viser directement. En fait, ennemis patrol, ils vont attaquer à deux endroits à la fois. Et en gros, tu vas devoir plus ou moins sacrifier un endroit. On va ralentir. Voilà, plus de ralentisseurs. Ça fait toujours plaisir.
Ça évite aux automobilistes d'aller trop vite. Il faut évidemment avancer. Donc là, il m'attaque à deux endroits. Et là, je vais devoir choisir en mode OK, soit je protège mon pit, soit je protège mon mainframe. Mon pit est déjà endommagé, donc je vais peut-être le protéger. Sauf qu'en fait, je crois que si je le défends pas, il va complètement passer là. Donc ce qui est très très compliqué. Ce qui est très compliqué. J'espère que le jeu sera vraiment en coop. Parce qu'il y a écrit qu'il y aura une campagne dynamique jouable en solo ou en coop. Mais pour l'instant, c'est que en solo. Donc voilà. Voilà. C'est très difficile. C'est difficile comme jeu. Hein. Solo, c'est difficile. J'espère que ça sera en multi. Et si c'est en multi, je jouerai sans doute avec Sulfury. Voilà, j'aime bien tirer dans le vide au début. Avec Sulfury, qui est mon amoureux. C'est faux. Non, mais avec qui je fais des lives le dimanche. Et ça, ça fait plaisir. En fait, je sais pas s'il fallait pas mieux que je défende le truc qui était intact pour qu'il reste le plus intact possible. Parce que là, défendre un truc qui est déjà pété, fesse, cul, gland, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non? Bon, c'est pas grave. On va se mettre... No smoking. Ok. Ici, voilà. Là, on va jouer la lenteur, tu vois, la lenteur des profondeurs. Avec... Ici, des... Le truc qui fait... Et là aussi, le truc qui fait... Et voilà, comme ça, là, il y a un couloir de... C'est bien parce que c'est qu'un grand couloir. Ça sera facile, relativement facile à défendre. Sauf qu'après, ils peuvent arriver là. Ils peuvent arriver par où? Ils peuvent arriver partout. Hein. Faut checker les entrées. Ils vont pouvoir arriver là, potentiellement. Ça va être terrible. Parce que plus on avance, plus c'est difficile. Donc autant vous dire qu'au moment ils arrivent partout, vous êtes obligé de faire des choix, et rarement des bons choix. Hein. Attention, voilà, c'est ce que je vous disais, là il y a des items qui volent, enfin des objets, des méchants qui volent, donc autant vous dire que vos pièges, ils vont en avoir rien à battre, sauf s'ils sont cons, hein. Ils sont peut-être cons. Et j'ai perdu énormément de vie en vrai. J'ai perdu énormément de vie, tiens. Merde, mais je suis con, j'ai mis un truc de munitions. Ah ouais, eux ils font trop mal. Ok. Voilà, eux ils passent au-dessus. Non, pas mon flingue. Aïe. Vite, récupère de la vie. Vous voyez, hein, la vie c'est pas facile. Il faut de la vie, s'il vous plaît. Sauf que là ils vont largement passer. Et moi je pense que je vais largement trépasser. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est bien ce que t'as fait, Zertiran. Bravo à toi. Là, on va se mettre une... Ah ouais, non, j'ai plus de points. A et D. Ah ouais. Non, mais vous voyez, ça devient très rapidement très compliqué. Soyons très honnêtes. On va discard, hein. On va discord. Allez, hop, ça, c'était l'humour. Ça, c'était pour la partie humour de la vidéo. On va récupérer ça, voilà. Ouais. Non, mais on en laisse un au cas où. Mais là, ça va être chaud du cul. Et puis là, je sais même pas par où ils vont passer. Donc, vous voyez, ils vont avoir 3 milliards de passages. Donc autant vous dire que qu'ils vont forcément passer. Et le A aussi, le A, je sais même pas où il est. Vous voyez, ça met un temps fou pour rejoindre les zones. Ah oui, le A, c'est celui de tout à l'heure. Ok. Il y a aussi le B, là. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ah là là. Vous dire qu'on est bien... Ça serait un mensonge. Vous dire qu'on est dans la merde, ça serait relativement proche de la vérité. Je sais pas du tout par où ils vont arriver. On va essayer de les ralentir au max. Je suis pas bien du tout là, je vais être honnête. Là, je vais devoir faire des choix. Ils vont forcément passer. Hein. Ouais, bah, qu'est-ce que je disais? Ils passent par là, ils passent par le chemin le plus court, le plus intelligent. Voilà. Hop, et en plus on recharge, on a vraiment une arme de merde. Vivement qu'on trouve des armes, en fait il faut peut-être bourrer les armes. Hop. Là il passe, il y en a qui en profitent pour passer, il y en a qui se disent allez non on va plutôt le défoncer. Ouais, beaucoup sont passés, malheureusement. Allez vas-y. Ok. Ah je suis tombé. Ah non j'ai failli tomber. Vous voyez là ça devient chaud. Ça devient très très chaud. Très difficile, et là ils vont passer très, mais alors très largement, parce que, ouais, en fait c'est un jeu qu'il faut forcément que ça soit en coop, j'espère, c'est pour ça, j'espère qu'ils vont faire la coop très rapidement, parce que là, vous voyez, là je suis mort, ma base est morte, tout est mort, là, forcément, là je peux pas, à moi tout seul, avec le peu d'argent que j'ai, je peux pas défendre ça, hop, final wave, ouais, donc en gros, et évidemment quand la barre est à zéro, vous perdez,
Donc autant vous dire que l'on va perdre là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour vous montrer aussi que le jeu, eh ben, il est loin d'être facile, et qu'il est même très difficile. Hop. On va récupérer ça, ouais, ils sont passés par là. Ok, ok, ok. Hop, voilà. Le but, c'est d'essayer d'en niquer le plus possible avant qu'ils atteignent, eh bien, le... Bah, la fin, la fin. La fin justifie les moyens justifient la fin, et j'ai très faim, je vais aller faire un gâteau au chocolat. C'est tout ce que je vous propose. Mais ouais, en fait, au début, en fait, le début est très difficile parce que vous avez débloqué peu de choses. Il faut faire des bons choix, et très souvent, j'en fais des mauvais. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important à retenir. On va essayer de dissocier les vagues, histoire d'avoir du temps. Mais vous voyez, là, c'est chaud, c'est chaud. Alors après, j'ai 4 vies, mais... Là, ils vont passer, là, ils vont largement passer. Le mieux que je peux essayer de faire, c'est d'essayer de défendre tant bien que mal un côté... Et de me dire, de prier tous les saints, de prier Allah... Et tous les autres aussi. Ah ouais, eux ils passent très largement. Ils passent très très largement. Ils passent crème largement. Ok. Double dans la tête, tout dans la chatte comme on dit. Attention, il est passé. Attention, on a presque aucune munition. Attention dans la chatte, dans la bite. Partout. Ok. On est mort. Tout va bien, on est mort. Tout va bien, on est très mort. On est pas mort ? Alors on est pas mort dans la vie, mais là on est bientôt mort. Il faudrait des plaques explosives. Tiens, c'est bien ça. Voilà, mission fail. Bah ouais, j'ai échoué là, trop difficile. Ouais, on a perdu, on est mort. Bon bah voilà, c'est quand même l'essentiel, c'est de vous faire découvrir le jeu. Mais c'est très difficile et j'espère... J'espère, ouais, bah, ils pètent le pit, et en plus ils vont péter le mainframe. Voilà, donc là, double échec. Ouais, là, ça fait mal au fion. Là, mon vaisseau est dans un piteux état, parce que fallait que je défende d'un côté, j'ai échoué. Ouais, donc là, pareil, il faut choisir un des deux, parce qu'on n'a pas stoppé. Donc là, autant vous dire que là, on a échoué. Hein. Là, on peut tout recommencer, on peut relancer notre run. On a largement échoué, parce que là, je ne pourrais strictement rien faire. Voilà, on s'arrête là pour la découverte de Sentry. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup, mais c'est extrêmement difficile. En tout cas, ça devient extrêmement difficile rapidement. Il faut y jouer avec un ami. Pour l'instant, le jeu n'est pas en coop, donc j'espère qu'il sera bientôt en coop. Voilà, on le souhaite. Développé et édité par Fireblade Software, ça sort le 25 mars. Faites-vous plaisir, tous les liens seront dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye. Mais j'aime le Tower Defense. Voilà. J'aime. À bientôt.